ثوران غفيدني غور زمان هذه المحنة ما تسعى الدم هذه اللي تجار فمت شفان أمشي بنيد قبل نوسان ما يلات عاش مطروان ذي الدوني تشاخ متزهان وري اللي داش وكنشقان ما يلات عاش مطروان ذي الدوني تشاخ متزهان وري اللي داش وكنشقان Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. مصر ضام بالسيف ذيمي قرغي مزيان سلمانة ثم الغسن أمشى رازقر النسيف ياش الضيور مخلفين حسد ما تنسى والين كل يوم كنت الزيف ياش الضيور مخلفين حساس ما تنسى والين كل يوم كنت الزيف أوذني جب ذن قلم إني في يد ما ترم غفي ذني غور زمان ذي المحنة ما تسعى الدم أذي لي ذجار ضم كشفام أمشي بني دم وقرن وسان ما يلا ذعاش مطروان ذي الدوني تشاخ متزهام أريني
Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. انوي ذمي سلاصل ذوين تحزي بن النفيس لو كان مجاز نعذل الراي غادي يدوك كل وقت ظهر موريس ما نتعمي ذي البطل انو غالية كمطبل كل ودي هجار وريس ما نتعمي ذي البطل انو غالية كمطبل كل ودي ياروريس اوذني جبذ النقلم عيني يدمى دورام غفي قاني غرس بان احنا تسعى الدم اذي لي تجار ضمد الشفام امشي بني دم وقرن وسام ما يلا تعاش مطروام ذي دوني تشاخ مفزهام وريلي ما يلا عاش مطروان ذي الدوني تشاخ متزهان وريل دا شكر شقان Expliquez pourquoi vous battez, quel est le sens de votre combat? C'est venu avec le temps. J'étais jeune, chanteur tout d'abord. Si je suis propulsé dans cette sphère politique, je ne l'ai pas choisi tout d'abord. J'aurais aimé chanter dans un climat de quiétude, composer sur la mort, sur la joie de vivre. Mais hélas, je ne peux pas rester indifférent, neutre au drame de mon pays. Bien avant cette montée de violence intégriste, j'ai été confronté à un pouvoir totalitaire qui m'a tiré dessus en 1988. J'ai reçu 5 balles de Kalachnikov, qui est une arme d'assaut, une arme dévastatrice à bout portant. Mais à cette époque, quand même, j'avais foi, je me suis dit, la médecine avance d'une manière prestigieuse, j'ai gardé espoir. Mais quant à l'enlèvement du GIA, c'est tout autre chose. Chaque minute qui passait pendant ma séquestration était une mort supplémentaire. Quand j'étais dans les trous, dans les maquis du GIA, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Je ne savais pas qu'il y avait cette mobilisation, cette formidable solidarité qui réclamait haut et fort ma libération. Ce n'est qu'à ma libération que j'ai compris. Donc c'est bien avant la montée intégriste que j'avais pris conscience de mon identité. D'abord parce que je suis algérien, je me sens autochtone de ce pays, je suis berbère. Je ne suis pas obligé d'être musulman, je suis laïque. Peut-être pour beaucoup, I like Algeria, ils vont dire qu'ils se sont trompés, mais d'accord. C'est volontaire. Parce que je suis laïque. Et je me battrai pour ces idées. J'ai envie de vivre davantage, pour encore divulguer, dire des choses. Mais si je dois mourir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mes idées, anyway. Vous parlez de vos camarades régulièrement. À chaque fois que quelqu'un tombe, est-ce que ça renforce votre courage ou est-ce qu'au contraire ça amplifie votre peur et ça vous fait hésiter à continuer à avancer dans cette voie?
Aujourd'hui, on est là pour parler du courage. Je ne sais même pas si j'ai du courage. Ou si de la témérité. Mais je pense qu'avant de parler de courage ou de témérité, moi j'ai foi en mon identité tout d'abord. وقبلتني فات الحال البزيز ذغن الحصين إلى قاسنة السقسين أمشيرات الدو التمثال زماني سعى مثير كابين ورزميرنا التالين ما سعني فاد نبوفال زماني سعى مثير كابين ورزميرنا التالين Gens qui en font une religion. Moi, j'ai foi en mon identité parce que de tout temps, on a montré un ostracisme à l'égard de cette culture ancestrale, de cette culture berbère qu'on continue encore à revendiquer, coréenne. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, je me dis toujours, je ne sais pas à quel moment s'achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d'une chose, mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération. Donc, ça me donne davantage de conviction. Faut que vous le sachiez tous, je me bats contre le pouvoir central et contre les intégristes. Je ne peux pas oublier les balles d'octobre, je ne peux pas oublier les longs mois d'hôpital et je ne peux pas oublier aussi les 16 nuits de séquestration. Donc je suis confronté à me battre sur plusieurs fronts. C'est la Kabylie. M'appelle, j'y retournerai. Quant à dire quand, je ne le sais pas. Mais n'empêche que j'ai été pour le 20 avril dernier, j'ai été pour le 15e anniversaire du printemps berbère. J'avais peur, il y a eu une marche sur 6 km, donc j'étais au devant de la marche. J'ai animé un concert à Bougie, à Tizi Ouzou aussi. L'essentiel, c'est d'être revenu vivant. L'Algérie, tout d'abord, n'est pas arabe. J'ai eu cette chance d'aller à l'école, de comprendre mes origines. De connaître mon histoire. Parce que depuis les années 70 à nos jours, l'école algérienne a produit des mutants. Moi, j'ai eu cette chance d'être né au milieu de la guerre d'Algérie, donc accessible à la langue française. Je parle à peu près, du moins. Donc cette langue m'a permis de me découvrir, de découvrir. Je ne refuse pas les autres conquérants, les autres, parce que l'Algérie a ses diversités, ses différences. Malheureusement, ces diversités qu'on pouvait exploiter positivement, ils les ont transformées en différences béantes, négatives. Aujourd'hui, prétendre en Algérie qu'on n'est pas arabe, on est vite pointé de l'index. Ça y est, il est séparatiste. Quelqu'un qui vous dit, ah non, je ne suis pas berbère, ça passe naturellement. Moi, je revendique mon âme.